Ce samedi 7 mai, la Banque alimentaire Champagne Sud et Meuse effectuera sa deuxième collecte de printemps. À cette occasion, elle espère récolter entre 6 à 9 tonnes de denrées alimentaires, alors que celle de l'an passé leur avait permis de récolter près de 9 tonnes. Les denrées seront récupérées auprès de moyennes et grandes surfaces à Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Vitry-le-François, Vassy ainsi que Verdun. Une collecte importante puisque dans ce contexte marqué par plusieurs multitudes de crises, de plus en plus de personnes se retrouvent dans le besoin, écoutez. L'objectif de la collecte de printemps, c'est premièrement de reconstituer nos stocks qui ont fondu entre la dernière collecte nationale de novembre dernier, parce qu'on a fait face à un accroissement de demandes de denrées alimentaires, compte tenu des situations, de la situation actuelle sanitaire et d'autres difficultés, avec un grand nombre de démunis et de plus en plus importants. L'objectif de la collecte de printemps, c'est viser entre 6 et 9 tonnes. Ce serait un bel objectif. On arriverait comme ça à avoir une collecte annuelle avec la collecte nationale et la collecte de printemps d'environ une soixantaine de tonnes. Les points de collecte, c'est Verdun à travers notre antenne de Thierville. Nous avons Bar-le-Duc, nous avons Vitry-François, Saint-Dizier et la ville de Vassy à travers notre association Entraide de Vassy. La collecte de printemps permet de combler absolument ce manque que nous avons constaté depuis 2 ans, depuis le confinement et depuis la crise du Covid et les crises successives, afin de pouvoir combler ce manque et de continuer notre action comme il faut et notre mission, la remplir comme il faut.